Télé-internaute, bonjour et bienvenue dans votre nouveau programme Si j'étais de Menou Actu Web TV. Après 40 années d'exercice à la magistrature suprême de son excellence Paul Biya, nous venons poser la question. Et si vous étiez président de la République, qu'aimeriez-vous supprimer, modifier ou apporter pour le bien-être du peuple camerounais? Allons ensemble à la découverte des avis des uns et des autres. Mais avant, abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien rater de nos programmes. Let's go! Si j'étais présidente de la République, premièrement, avec assez de jeunes qu'il y a dans le pays, je vais faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois et augmenter les bourses pour pousser les étudiants et les nouveaux bacheliers à rester dans le pays au lieu de sortir et aller développer les autres pays. Nous avons plein de ressources naturelles pour le faire. Si j'étais président de la République, je devrais commencer par m'intéresser sur les jeunes. Parce que déjà, notre population camerounaise est abondamment peuplée de jeunes. Donc, je vais faire en sorte de créer des nouveaux emplois pour que les jeunes ne manquent pas de quoi faire. C'est un peu ça. Créer, donc, mettre sur pied un système éducatif. Donc, pour apprendre les sciences de la professionnalisation. Si j'étais président de la République, j'allais tout d'abord commencer par vérifier à ce que nos routes, à ce que les routes de mon pays soient bien arrangées pour éviter les accidents. Je devais aussi sensibiliser les jeunes sur leur manière de rouler en route, parce que de nos jours, la plupart des jeunes ne font que mourir à cause des accidents, des motos. Je devais créer des emplois pour que les jeunes puissent avoir un peu de travail, pour travailler, avoir un peu de ressources. Au lieu de se lancer dehors, ils prennent des risques rien que pour avoir de l'argent. Ici s'achève ce numéro de Si j'étais. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs citoyens camerounais. Nous avons recueilli des avis mitigés et des propositions à n'en point finir pour le développement de notre cher et beau pays. Il revient maintenant à qui de droit de tenir compte des aspirations du peuple pour améliorer leur situation et leurs conditions de vie. Nous vous revenons très bientôt avec un nouveau sujet. D'ici là, likez, commentez, mais surtout, restez connectés sur Menou Actu Web TV pour ne rien rater de nos publications.